Jeudi, nous sommes le 11 juin 2020. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à notre antenne dans cette émission COVID-19 à vos questions. Nous allons aborder avec notre invité le thème suivant, COVID-19, taux de guérison, près de 51% des cas confirmés enregistrés depuis le 6 mars 2020. Mon invitée, elle est docteur Abravi Emefa Sabli. Elle est médecin généraliste et responsable du Centre médico-social de Togblekopé. Avec elle, nous allons passer à la loupe pour ce thème. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Bonsoir, monsieur Gaï Mathieu. Alors, dans l'ensemble, comment vous passez ce temps-là de COVID-19 à Togblekopé spécialement? Nous nous adaptons avec les directives données par le ministère de la Santé. Oui. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Donc, à Togblekopé, ça va, hein? Ça se passe bien. Le tri est organisé au niveau du centre. Mm. Et s'il y a un cas suspect, nous faisons appel à l'équipe d'intervention rapide pour le prélèvement. Et si c'est positif, la personne sera déplacée. Quand c'est négatif, nous expliquons à la personne son résultat. Et il retourne chez lui le quatrième jour, on reprend. Les mesures de distanciation sont respectées. De même que les dispositifs de lavage des mains et le port obligatoire de cache-nez. Toute personne qui visite le centre porte son cache-nez obligatoirement et lave sa main avant d'aller vers où il doit aller. Parfait. En passant bien sûr par le poste de tri. Parfait. Alors, quand on sait que Togblekopé est la porte d'entrée sur Grand Lomé, on est tenté de dire que vous aurez à enregistrer beaucoup de cas positifs. Hein? Ou bien ce n'est pas le cas Oui, parmi tous les cas, nous avions eu au total 12 dans l'air sanitaire de Togblekopé. Dans l'air sanitaire de Togblekopé. Parfait. Nous allons devoir aborder le thème du jour. Togo, COVID-19, taux de guérison. Près de 51% des cas confirmés enregistrés depuis le 6 mars. Et quand on parle bien sûr de ce taux-là dans la sous-région, on voit un peu comment ça se passe dans ces pays-là qui nous entourent. Alors, à quoi cela est dû, cette prouesse-là qu'on a eu enregistrée au Togo en matière de cas guéris? C'est le lieu de remercier le gouvernement pour sa détermination et tout le personnel de santé pour le dévouement. Donc, ce sont les stratégies mises en place par le pays qui nous a aidés à atteindre ces objectifs-ci, à l'instar le suivi des personnes contacts, le suivi des voyageurs. Toute personne qui revient est suivie systématiquement. On lui fait le test. Et avant que la personne ne soit libérée ou laissée pour entrer dans la communauté. Et le dépistage précoce aussi, qui fait que les patients ne sont plus à des étapes de complications avant qu'on ne soupçonne que cela pouvait être coronavirus. Donc cela permet la prise en charge précoce et donc plus de probabilité de guérison. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir plus de 50% de guérison à ce jour. À ce jour, parfait. Alors, le protocole de traitement hein, qu'on a au Togo est-il particulièrement différent des autres pays du monde? Vous n'êtes pas sans savoir que coronavirus, on n'a pas encore trouvé un traitement testé, comme ça, pour dire que le traitement, si, est efficace. Donc, selon les recommandations de l'OMS, tous les pays sont souverains et la plupart des pays utilisent le protocole d'hydroxychloroquine pendant 10 jours, associé à de l'azithromycine pendant 5 jours, sans oublier le traitement des symptômes. Si la personne a d'autres malaises, on traite ses malaises, sans oublier également le traitement ou la prise en charge des comorbidités. Quelqu'un qui est diabétique, par exemple, on doit équilibrer sa glycémie tout en prenant soin de lui, tout en traitant le coronavirus. Donc, si je comprends bien, et le protocole adopté par le Togo, c'est celui de l'hydroxychloroquine et puis associé à de l'azithromycine. Et le traitement des symptômes, celui qui fait la fièvre, on lui met un antipyrétique. Quelqu'un qui a mal, on met d'antalgique. Et le traitement des cas graves, en fonction des signes ou des symptômes qu'il manifeste, s'il a besoin d'une assistance respiratoire, il est assisté. Et le traitement des comorbidités, comme je l'avais dit, si la personne est hypertendue, par exemple, on traite son hypertension. S'il est diabétique, on traite son diabète. S'il est personne vivant avec le VIH, il est sous son traitement ARV. Donc voilà, c'est ensemble l'ensemble des mesures. C'est ce qui se passe. Hein. Mais entre-temps, on a eu une information concernant le fameux produit malgache, c'est pas encore essayé, hein?
Je ne peux pas donner une information en tant que telle sur l'essai ou non de COVID organique. Mais ce que je sais, c'est dans notre prise en charge thérapeutique, c'est le protocole hydroxychloroquine associé à de l'azithromycine que nous utilisons. Parfait. Quand on parle bien sûr des guéris, il faut qu'on parle aussi des cas de décès. Et ce cas devient de plus en plus rare. Hein. On n'a plus de décès. Le Togo est à 13 décès. Et quels en sont bien sûr les facteurs qui ont joué d'une façon positive? Et pour le fait que nous avons la chance de ne plus avoir à recenser des décès ces jours-ci. C'est aussi lié aux techniques mises en place comme le dépistage précoce. On n'attend pas forcément, par exemple, les personnes contactent des cas confirmés. On n'attend pas qu'ils aient des manifestations avant de leur faire le dépistage. Dès que la personne confirmée dit que j'ai été en contact avec telle personne, la personne là est considérée comme un contact et donc suivie et prélevée systématiquement sans qu'il n'y ait de signe. Donc cela permet de ne pas laisser le temps au COVID de créer déjà des dégâts avant de commencer par traiter la personne. Et puisque ce sont les complications qui sont à l'origine des décès, ce sont les comorbidités qui sont à l'origine des décès, cette prise en charge précoce-là permet d'éviter que la personne n'ait des complications qui pourront conduire jusqu'à son décès. Voilà. Alors, un malade guéri est-il, peut-il refaire la maladie? Tout est question d'immunité. Et donc, si la personne qui a contracté le coronavirus et qui en est guérie n'a pas acquis l'immunité permanente, cette personne-là, quand il sera encore en contact avec le virus, peut encore le contracter. Mais si son organisme lui a permis d'avoir une immunité permanente, la personne là est immunisée et ne sera pas infectée. Donc, tout dépend de l'organisme de chaque personne. Donc, nous devons retenir que si je suis infectée et que je suis guérie, je peux encore me contaminer. Donc, il faudrait que nous observions les mesures barrières. Observons les mesures barrières pour ces personnes-là spécialement. Ils vont continuer par porter des masques et toujours garder la distance. Distanciation, voilà. Au moins un mètre entre deux personnes. Parfait. Le lavage régulier des mains. Et éviter d'être en contact avec d'autres personnes. Éviter d'embrasser les gens. Éviter tout contact, porter le masque quand ils vont aller en public et se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut avec du gel hydroalcoolique dans les lieux où ils n'ont pas la possibilité de se laver les mains avec l'eau et du savon. Parfait. Pourquoi certains malades développent-ils des formes aussi sévères de la maladie? Je le disais tantôt, tout est question de l'immunité, tout est question du terrain. Donc, quelqu'un qui a déjà une pathologie donnée a son système immunitaire fragile. Donc, quand il sera en contact avec le coronavirus, il aura plus de probabilités de pouvoir développer les formes graves, donc les complications du coronavirus, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune pathologie, qui a son état de santé plus ou moins parfait. Voilà. Mais on a quand même des enfants qui ont contracté cette maladie-là et... Plusieurs sont ces personnes qui éprouvent des difficultés à comprendre. Hein. Un enfant nouveau-né, peut-être difficultés respiratoires, s'arrête là, mais d'autres pathologies, on se demande si c'est... Il y a des pathologies aussi chez les nouveau-nés. Un nouveau-né peut naître d'une maman séropositive. Si la maman là n'a pas bien suivi les protocoles de consultation prénatale pour être sous le traitement ARV de façon convenable et qu'elle aurait exposé son enfant, l'enfant peut contracter le VIH. Et si cet enfant à la naissance est entré en contact avec le coronavirus, l'enfant peut facilement développer aussi le coronavirus. Il y a d'autres aussi pathologies. Il y a des enfants qui naissent avec des insuffisances cardiaques, des cardiopathies. Donc, il y a beaucoup d'affections, beaucoup de pathologies avec lesquelles les enfants peuvent aussi naître, qui peuvent les exposer à ce risque-là de contracter le coronavirus. Parfait. Alors, est-ce qu'on, quand on essaie un peu d'analyser ce que Corona a eu à créer comme psychose au sein de la population à travers le monde entier, pas seulement au Togo, ni au Bénin, ni en Côte d'Ivoire, ni au Ghana à côté, est-ce qu'on peut dire encore que le corona est finalement une maladie dangereuse ou bien on en a tellement fait en matière de communication, on l'a rendue aussi dangereuse? Bien sûr que le coronavirus est une maladie dangereuse puisqu'elle est très contagieuse. Vous venez de me poser la question tantôt sur les enfants. Un enfant innocent qui n'a pas encore mené une vie mais peut s'exposer. Donc, c'est une maladie très contagieuse, ce qui la rend très dangereuse. Et donc, étant très contagieux, il y a aussi
tel que nous le disions, la comorbidité qui fait qu'il y a des formes compliquées qui peuvent aboutir même jusqu'à des décès. Sur ce plan, nous devons affirmer et dire que le coronavirus est toujours dangereux, est une maladie très dangereuse. Coronavirus est une maladie très dangereuse. Mesdames et messieurs, si vous nous choisissez que maintenant nous avons sur ce plateau Dr Abravie Mefa-Sabli. Elle est bien sûr médecin généraliste, responsable du centre médico-social de Togblé Kopé. Avec elle, nous passons bien sûr à la loupe le thème COVID-19. Taux de guérison, près de 51% des cas confirmés enregistrés depuis le 6 mars. On va essayer maintenant d'apprécier les chiffres à la date bien sûr de ce mercredi. À la date, bien sûr, de mercredi 10 juin 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. 244 cas actifs, 265 cas guéris, 13 décès avec 522 cas confirmés au total et 23 998 nombre total des tests effectués. Et pour un petit détail concernant bien sûr cette journée du 10 juin 2020 au Togo, il faut dire que 21 des 487 personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 522. C'est 21 personnes dont là les âges sont compris entre 20 et 60 ans, se répartissent comme suit: 16 cas parmi les contacts, 14 hommes et une femme dans le district 5 à Lomé, un homme dans le district 1 à Lomé, 5 cas parmi les voyageurs, une femme et un homme à Niamtougou dans le district de Doufelgou, une femme et deux hommes dans le district de Tanjouaré. 5 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 265 le nombre total de patients guéris de COVID-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre de cas actifs demeure est à 244 et un total de 23 988 tests de laboratoire qui ont été bien sûr effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le plateau que présente le Togo à la date, bien sûr, de 10 juin 2020. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus dans ce chemin-là, c'est le nombre de cas guéris. Oui. Le nombre de cas guéris qui est passé, bien sûr, à 265. C'est quand même louable. Hein. Effectivement, c'est louable. C'est le fruit de tous les sacrifices, de toutes les implications. Du haut sommet de l'État jusqu'à la base, jusqu'à l'implication du niveau sanitaire, le ministère de la Santé et toute l'équipe sanitaire, tous les gouvernements et tous les acteurs. Ce ne sont pas que les acteurs de la santé qui ont contribué à ce résultat. Tous les acteurs de la société ont contribué à ce que nous puissions obtenir ce résultat, avec bien sûr le dépistage précoce, le suivi des personnes contacts, le suivi des voyageurs qui sont relevé systématiquement. Si vous voyez dans les résultats, les 21 personnes d'hier, par exemple, il y a 16 qui sont des personnes contact et 5 qui sont des voyageurs. C'est ce qui nous permet de ne pas attendre que ces personnes-là aient à manifester d'abord la maladie avant de dire d'appeler le 111 ou bien avant de se rendre dans un centre de santé pour qu'ils soient considérés comme des personnes suspectes avant d'être prélevés. Le temps de rester jusqu'à ce que la maladie ne se déclenche, il y a encore d'autres personnes de contaminées, il y a les risques de complications qui feront que leur guérison peut traîner plus qu'avant. Mais le fait que le dépistage précoce est fait, ça nous permet de commencer la prise en charge plus tôt, alors de contribuer plus facilement à la guérison de ces personnes. C'est ce qui nous permet d'obtenir ce nombre de personnes guéries à ce jour. Justement, et quand on essaie un peu de voir ce qui se passe autour du Togo, à l'heure actuelle, plusieurs pays ont déconfiné, les restrictions ont été levées, ça et là. On sait que nos frontières, quoi qu'on dira, demeurent toujours plus ou moins poreuses. On aura encore enregistré d'autres cas, hein?
Oui, nous pouvons enregistrer encore d'autres cas, vous n'êtes pas sans savoir, en dehors de des frontières qui sont poreuses, il y a aussi des compatriotes qui sont rapatriés. Oui. Donc, parmi ces personnes, ils seront testés systématiquement. Donc, il y a encore la probabilité d'obtenir un nombre encore plus élevé de personnes positives ou confirmées. Alors, c'est le lieu d'interpeller toute la population pour, en ce qui concerne ceux qui reviennent de nos pays voisins à travers les frontières poreuses, de faire signaler aux autorités sanitaires de leur zone ou d'appeler le 111 pour signaler qu'il y a telle personne qui est revenue de tel pays pour que ces personnes-là puissent être suivies et que le test soit fait systématiquement. Cela nous permettra pour qu'au cas où quelqu'un parmi ces personnes-là était confirmé, il ne va pas répandre le virus autour de lui avant qu'on ne le détecte un jour comme personne suspecte. Parfait. On a besoin, bien sûr, de la collaboration, hein, Effectivement. des autorités De traditionnelles, toute la population. toute la population, à Toute la collaborer, population. surtout en ce temps de crise sanitaire. Nous allons devoir commencer par prendre les questions laissées sur notre plateforme. Et la toute première question du jour, envoie par le téléspectateur, nous dit ce qui suit. Bonsoir, le panel, s'il vous plaît. Docteur, ne voyez-vous pas une manipulation des lobbies pour décourager le traitement à base de la chloroquine qui est moins cher à la place de la chloroquine que propose l'OMS? Christophe a posé la question. Ce débat revient de temps en temps, hein, par rapport à la sortie, à cette étude-là qui a été publiée par Lancet. On se demande réellement qu'est-ce que l'OMS veut. Nous remercions Christophe pour l'intérêt qu'il porte à l'émission et merci pour la question qu'il a posée. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un traitement défini pour coronavirus. Donc l'OMS ne fait que faire des essais cliniques et donc il laisse l'autonomie aux pays de pouvoir décider des protocoles qu'ils vont utiliser, vu qu'ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui donné un protocole, à ce que je sache, que nous devons suivre. Donc, les pays se sont basés sur les essais cliniques pour prendre leurs décisions. Et notre pays, le Togo, avec le comité scientifique, a opté pour la chloroquine. Il faut qu'il soit rassuré. L'hydroxychloroquine est toujours utilisée chez nous. C'est moins cher, associé à de l'azithromycine. C'est ce qui s'utilise dans notre pays jusqu'à ce que nous puissions obtenir s'il y a d'autres traitements qui seront encore déclarés plus efficaces. Et le comité scientifique aura à l'étudier pour voir s'il faudrait mettre en place ou pas. Sinon, jusqu'à la preuve du contraire, l'hydroxychloroquine est utilisée au Togo. Parfait. La suite de la série des questions et réponses, la deuxième question du jour, nous dit. La question qui dit ce qui suit, bonsoir. Doit-on porter un masque lorsqu'on est seul dans sa voiture climatisée et bien fermée, madame? Merci aux téléspectateurs. Quand on est seul dans sa voiture climatisée bien fermée, on n'a pas besoin de porter le masque. Mais le risque qui est là, c'est que au moment où vous allez vouloir descendre votre vitre, peut-être que vous n'allez pas avoir cette spontanéité-là de porter votre masque. Donc, ce serait bien si vous savez, ça dépend de où vous allez, ce serait mieux de porter le masque pour qu'au cas où vous venez à descendre votre vitre, peut-être que vous arrivez à un feu rouge où quelqu'un veut vous parler ou un agent de police vous arrête, vous devez parler. Spontanément descendant votre vitre, il y a ce risque-là d'oublier de n'avoir pas porté le masque. Donc, le mieux serait de le porter. Ou si on est sûr qu'étant seul, quand nous allons descendre, on peut se rappeler et le porter avant de descendre. Là, nous pouvons le rester sur notre volant seul sans porter le masque. Alors, justement, parlant des masques, est-ce qu'on en a à suffisance? Ce que vous avez par exemple. Le masque que moi je porte, c'est le masque chirurgical. Et il faut dire que ce n'est pas très suffisant, mais nous remercions le gouvernement, nous remercions le ministère de la Santé qui nous dote chaque jour. Chaque semaine, nous avons une dotation de masques chirurgicaux qui nous aident à travailler dans nos centres. Et c'est le lieu de remercier, de féliciter les dames, les messieurs, les artisans qui ont contribué énormément à régler ce problème de pénurie de masques.
Vous allez voir la chambre des métiers, des personnes organisées en groupe. Ils ont eu à coudre des masques artisanaux dans nos tissus locaux, et ce qui joue parfaitement le même rôle bien utilisé. Il suffit de le porter correctement au niveau de la bouche comme au niveau du nez et de le remplacer. Au moins 4 heures de temps après, comme ça, il faudrait remplacer. Il ne faut pas qu'on porte le masque artisanal du matin jusqu'au soir. Et si on porte ça, il faut qu'on les lave aussi. Il faut qu'on les lave, voilà. Il faut l'entretien des masques. Des jours durant. Effectivement. Il faut que chaque jour, si c'est deux, nous avons eu à utiliser dans la journée, la soirée, il faut que nous le lavions, arriver à la maison, le sécher. Et pourquoi pas le repasser pour que ça ait encore un bon aspect avant de l'utiliser le lendemain. Et nous pouvons l'avoir assez parce qu'il n'y a plus de flambée de prix pour les masques. La plupart des masques ont autour de 200 francs. Je pense qu'on peut avoir plusieurs, surtout les masques artisanaux en tissu. Comme ça ne se détruit pas, ça s'entretient. On peut avoir plusieurs et avoir l'opportunité donc de les laver régulièrement. Parfait. On prend à nouveau des questions. Et celle qui est là nous dit bonjour, le panel. À part les mesures barrières, quel est le protocole médical curatif de l'OMS pour venir à bout du coronavirus? Merci, Roger, à poser la question. Merci à Roger. Comme nous l'avons dit, répondu à un des téléspectateurs plus haut, il n'y a pas un traitement curatif comme ça que l'OMS a préconisé. Ce ne sont que des essais cliniques et donc chaque pays, en fonction de son expérience, décide d'utiliser ce protocole ou l'autre. Donc il n'y a pas un protocole donné comme ça par l'OMS pour que les pays puissent suivre. Donc il n'y a pas un protocole de l'OMS, que ce soit clair dans la tête des uns et des autres, qu'il y a cette fausse information-là qui circule sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ça revient très souvent, hein, ce genre de questions qu'on vous pose sur le plateau quand vous êtes souvent là. On prend une nouvelle question. Bonjour, le panel, merci pour l'émission. L'hydroxychloroquine est un produit actuellement controversé et critiqué par l'OMS, de même que le COVID organics. Quel produit l'OMS propose-t-il pendant que de milliers de personnes meurent, alors qu'au même moment, ces produits, si déçus cités, ont plus ou moins fait leur preuve? Roger a posé la question. La question rejoint un peu la question du téléspectateur précédent. Donc, il n'y a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce que nous sachions, un protocole donné par l'OMS à suivre. Tous les protocoles utilisés dans les différents pays ne sont que des essais cliniques. Et il faut dire que l'hydroxychloroquine est le plus utilisé, associé à de l'azithromycine, parce que ça fait ses preuves. Au lieu de laisser les patients sans aucun traitement, c'est mieux d'utiliser le produit que utiliser. Nous avons remarqué quand même que ça fait ses preuves. Donc, pas de protocole donné par l'OMS jusqu'aujourd'hui pour que les États suivent. Donc, les États, avec les réflexions données par les comités scientifiques, donnent dans leur autorité ce qu'ils trouvent bien pour leur population. Et c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Il faut qu'ils soient rassurés. L'hydroxychloroquine est toujours utilisée au Togo. Parfait. La suite des questions-réponses. Bonsoir, le plateau. Je jette des fleurs à tout le plateau. Merci. Moi, j'ai des inquiétudes par rapport à la réouverture des universités. Ne serait-il pas une grave erreur, vu que cette réouverture entraînera un grand mouvement au sein de la population et entre les villes, surtout universitaires? Alors, merci. Il faut dire que cette pandémie de coronavirus, nous ne connaissons pas, il n'y a pas de date à laquelle nous allons dire que la pandémie va s'arrêter. Donc, il va falloir que nous apprenions à vivre avec le coronavirus en observant les mesures barrières. Donc, les universités doivent réouvrir, tout comme les écoles, et les réflexions sont en cours, les dispositions sont prises pour qu'il y ait de meilleures conditions pour la reprise des cours dans toutes ces institutions. Alors, quand les universités vont s'ouvrir, il y aura toujours les mesures de distanciation, le port obligatoire de masques, parce que nous devons quand même continuer par fonctionner malgré l'existence de coronavirus. Donc, il faudrait que chacun
mettre sur lui l'obligation là de porter les masques quand il va aller dans l'université, par exemple, d'utiliser le lavage des mains, les dispositifs qui seront mis en place et de garder la distanciation. Il faudrait que nous nous éduquions nous-mêmes et puis ça ne va pas créer de grands booms de nouvelles infections. Et il faut aussi préciser qu'il n'y a aucune date qui a été annoncée pour la réouverture des universités. Parce que sinon, les gens risquent aussi de tronquer l'information à ce niveau-là. Jusqu'à présent, ce qui a été demandé même aux enseignants des écoles, c'est de reprendre leurs services pour pouvoir réfléchir sur comment organiser la réouverture des écoles. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, le gouvernement ne nous a pas encore communiqué une date à laquelle les écoles vont commencer. Donc, ce sont les organisations, les adaptations sur le terrain pour savoir comment mettre en application les mesures barrières dans les lieux, dans les écoles. Ce sont ces activités-là qui sont en cours actuellement. Parfait. Et pour les universités spécialement, c'est des cours en ligne. Il y a des cours en ligne, que ce soit à l'université de Lomé, de Cara. Et puis, quelques écoles qui font également des examens en ligne. Effectivement. On va prendre de nouvelles questions pour avancer dans cette émission de ce jour. Bonjour. S'il vous plaît, quelle est la situation de la COVID dans la région des Savanes? Nous sommes au grand nord du pays, ça. Comment ça se présente, docteur? J'ai les résultats du 8 juin. 8 juin. Oui, parce que ce sont des résultats compilés le jour. Mmh. Donc, dans la région des Savanes, le 8 juin, il y a au total 27 cas confirmés sur les 501 à la date du 8 juin au Togo. 27 cas confirmés. 27 cas, c'est beaucoup, hein? Ah oui. C'est parce que d'abord, les 5 cas, ce sont des villes proches. Des frontières et autres. Frontalières, bien sûr. Oui, c'est ça. À ce niveau, ça se passe bien, selon les informations, ça va? La prise en charge, le traitement, et c'est qu'il y a une délocalisation aussi à ce niveau-là. Et beaucoup de choses se font à ce niveau aussi. Effectivement, la prise en charge ne se fait plus uniquement à Lomé. La prise en charge se fait dans presque tous les districts. Donc, il y a des sites de prise en charge dans tous les districts. Et il y a aussi l'antenne de l'Institut national d'hygiène de Cara, oui, qui permet facilement de traiter les prélèvements et d'obtenir le plus tôt possible les résultats. Donc, tous les moyens sont mis en place pour que chaque citoyen puisse entrer et obtenir son traitement comme cela se doit, quel que soit le lieu qu'il habite. Est-ce que ça va bien dans l'ensemble? Ça va, oui. On prend de nouvelles questions. Bonsoir le plateau. Juste pour savoir le pourquoi le gouvernement ne voulait pas tester les enseignants avant la réouverture des classes. Merci et bonne émission. Edem à Cacovie depuis Agnès. Jusqu'à présent, les écoles ne sont pas encore réouvertes. Et jusqu'à ce que les dates d'ouverture des écoles ne soient communiquées, les réflexions qui sont en cours permettront de savoir s'il faudrait tester les enseignants ou pas. Je pense que le comité scientifique et tous les acteurs, le gouvernement de l'enseignement, de la santé, tous les acteurs sont en réflexion, en concertation pour voir ce qu'il faudrait faire. Et donc, si ce serait nécessaire de tester les enseignants, cela sera fait. Cela sera jugé en fonction de l'évidence, en fonction de ce qui est mieux à faire pour nous tous. Donc, pour le moment, comme les écoles ne sont pas encore ouvertes, nous attendons et ensemble, nous verrons les dispositions qui sont prises pour que la rentrée puisse reprendre dans de meilleures conditions. On ne va pas aussi non plus tester parce qu'il faut tester. Effectivement. Les enseignants sont bien sûr très nombreux. C'est l'un des corps, c'est l'un des corps très, qui a un très grand nombre dans la fonction publique. Les enseignants, également vous, qui êtes bien sûr de la santé. De la santé, oui. Il faut dire que effectivement les enseignants ils sont nombreux. Et s'il faudrait parler de dépistage des enseignants, il faut aussi parler de dépistage des enfants, des élèves. Des enfants. Parce que c'est ça va pas être seulement lourd, les enfants. Voilà, aussi des dépôts. Une personne testée, dépistée, c'est pas en bas de 100 000 francs CFA. Voilà. Mais si c'est jugé nécessaire avec la volonté du gouvernement, avec tous les sacrifices qu'ils font déjà, si le comité scientifique, après les réflexions, juge cela nécessaire, ça se fera. Parfait. Voilà la réponse, bien sûr, à cette question qui a été posée par ce téléspectateur, téléspectateur depuis Agnès. Merci bien, on évolue. Est-ce que
quelqu'un qui est atteint du coronavirus peut se guérir sans aucun soin adapté au COVID-19? Si oui, combien de temps cela peut prendre? Merci. C'est Benoît Dagouet qui a posé la question. Tout est question de l'immunité. La plupart, le plus souvent, les virus n'ont pas vraiment de traitement en tant que tel. Donc, tout est question de l'immunité de chaque personne. La personne infectée, s'il a un bon état de santé, n'a pas de comorbidité, n'a pas d'autres maladies avant de contracter le coronavirus, cette personne-là a plus de chances de ne pas contracter ou bien de guérir spontanément sans aucun traitement. Voilà. Donc, la personne peut se guérir sans produit, hein? La personne peut se guérir sans produit, mais ça dépend de l'immunité. De l'immunité. Voilà. Quand la personne aura peut-être d'autres pathologies, c'est pas évident. C'est pas évident. Et il a demandé aussi à savoir la durée. La durée que ça peut prendre. Ça dépend aussi de l'immunité. La preuve, il y en a qui sont allés au site de prise en charge, ils sont revenus 14 jours après, ils sont revenus 16 jours après. Il y en a qui ont fait un mois, il y en a qui ont fait deux mois. Donc ça dépend de l'état de santé, de l'immunité de chaque personne, du terrain sur lequel le coronavirus est venu se greffer. Parfait. Voilà, c'est un peu clair hein, pour notre ami Dagouet. On va prendre quelques questions puisqu'on tend vers la fin de cette émission de jour. Bonsoir, le plateau. Dites-nous, docteur, si l'OMS est la seule détentrice du monopole du savoir en matière de la santé. L'OMS, comme sa définition le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est la plus haute instance en ce qui concerne l'organisation de la santé. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'il détient le monopole, mais l'OMS est une organisation, comme son nom le dit, et il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Ce n'est pas une seule personne qui travaille à l'OMS. Les pays sont représentés. Donc, ils n'ont pas le monopole de la connaissance, mais comme dans toute activité, il faut des règles, il faut des normes. Donc, l'OMS est là pour pouvoir canaliser, pour pouvoir donner des orientations en ce qui concerne la santé dans le monde entier. Parfait. Et justement, dans votre centre médico-social à Toglekopé, comment ça se passe la prise en charge? Est-ce que vous envoyez les patients détectés au centre de Lomé commune ou bien comment ça se passe? Oui, la prise en charge ne se fait pas au niveau du centre médico-social de Toglekopé parce que nous sommes dans le district d'Agouenivé et tous les cas confirmés. Ah oui, Agoué arrive, oui, et Agoué jusqu'à ce niveau. Bien sûr. Agouenivé, ça va jusqu'à Toglekopé, Adetikopé. Voilà. Donc, tous les cas confirmés du district d'Agouenivé sont pris en charge selon le cas au niveau du CHR Lomé commune s'ils présentent des symptômes ou s'ils n'ont aucun symptôme et que c'est le dépistage qui a permis de savoir qu'ils sont porteurs de coronavirus, ils sont pris en charge dans les hôtels réquisitionnés pour la situation, la prise en charge. Et ceux qui sont au niveau d'Avier, c'est ça, non? D'Avier et autres là, ils vont à quel niveau? Ils vont à Thévier ou... Ils vont à Thévier. D'Avier, c'est dans le district de Zio. Donc voilà, ils vont à Thévier. Et nos amis de Agouezongo, c'est ça, non? Agouezongo, c'est dans l'aire sanitaire de Toglekopé. Oui. Voilà. Et ceux qui sont de l'autre côté vers, je veux voir, vers Loué et ces consorts-là, vers Vita, là, ils vont à quel niveau? Ils viennent vers vous ou bien ils viennent vers Lomé? Comment ça se passe? À Vita, je ne me retrouve pas très bien pour ce quartier. Oui. Ça ne fait pas partie de l'aire sanitaire de Toglekopé. Mais tout ce qui est dans Baguida, tout ce qui est dans le district de Golfe, district d'Agouenivé, tous ces cas sont traités au niveau du CHR Lomé commune ou bien au niveau des hôtels réquisitionnés pour la prise en charge. Parfait. C'est juste pour avoir le cœur net, hein, comment voir, comment vous arrivez à coiffer toute cette zone-là, comment ça va dans tout son ensemble. Tout se fait sous le guide du directeur préfectoral de la santé, docteur Kalao. Donc, c'est sous son guide que tout se fait. Si une personne est dépistée, si une personne est confirmée porteur de coronavirus, les équipes d'intervention se déplacent sur le lieu pour lui annoncer son résultat, pour lui expliquer la situation et recenser toutes les personnes contacts, les personnes à qui il est entré en contact les deux semaines précédentes et avant que l'équipe de prise en charge ne vienne chercher la personne pour l'amener au site de prise en charge. Il y a un contraste aujourd'hui hein, avec
coronavirus, on a vu les chiffres qui sont rabais dans les centres de santé en matière de consultation et autres. À votre niveau, comment ça se passe? Comment ça se présente concrètement? C'est un constat général. Il y a cette phobie-là, cette peur. On a peur là. On se dit peut-être qu'on peut traîner un petit palu là, arriver à votre niveau. Hein. On ne sait jamais. Il y a cette peur de la population qui, dès le début, qui a fait qu'il y a la diminution de fréquentation des centres de santé. Mais il faudrait qu'ils soient rassurés parce que les mesures sont prises pour que une personne qui est souffrante puisse venir faire sa consultation sans souci. En venant, il faut que lui-même il mette à l'esprit qu'il doit porter obligatoirement son cache-nez. Bien porté, il lave sa main, il passe au poste de tri, on lui pose des questions et... Après tout, s'il est suspect, on le met en salle d'isolement tout en prenant soin de lui expliquer pourquoi on veut le mettre en salle d'isolement et quelle est la conduite à tenir par la suite. On lui explique tout. Et au cas où il n'est pas une personne suspecte, il va faire sa consultation comme cela se doit. Donc, il faudrait que nous soyons rassurés. Au pas qu'à cause de coronavirus, nous puissions traîner des maladies qui vont venir nous emporter par leurs complications alors qu'on aurait pu éviter en faisant nos consultations à temps. Est-ce qu'il vous arrive d'aller sur le terrain, quand on sait que le Kopé a une forte densité humaine, hein, déjà au bord de la voie, on a un marché là, ça s'anime hein, tous les jours pratiquement, que le bon Dieu fait. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'aller vers ces gens-là, leur expliquer le mal qu'ils courent, si jamais ils ne portent pas les masques, ils n'observent pas les gestes barrières? Oui, et le CMS Togolcope est représenté dans le comité communal de riposte COVID-19. Et Togolcope est dans la commune Agonivé 4. Donc ce comité-là fait des démarches sur le terrain pour sensibiliser au niveau des marchés, au niveau des lieux d'attroupement. Et il y a aussi les agents de santé communautaire qui font les sensibilisations de porte en porte dans les lieux où les gens se retrouvent, les lieux où les gens font des jeux, les lieux peut-être... où les gens se réunissent peut-être pour prendre de la boisson, où ils sont en groupe, les agents de santé communautaire passent à ces lieux-là pour pouvoir les sensibiliser pour le port. Et donc, faisant partie de ce comité, nous-mêmes, nous allons aussi sur le terrain pour pouvoir sensibiliser. Vous allez vous-même? Chaque fois. Bien sûr que oui, nous avons nous-mêmes. Et comment ça se passe? J'imagine un peu, hein, il faut aller d'abord en angle local, parce qu'il y a toute une... une équipe mélangée, ethnie dans tout son ensemble. Il y a plusieurs ethnies. On le a les Moba, les Évé, les Kabier, les Kotokoli, les Aoussa, les Adja. Ils sont pleins là-bas. Hein? Effectivement. Donc, pour aller sur le terrain, nous n'y allons pas seuls. Nous sommes en petit groupe. Deux, trois personnes. Et donc, le groupe là est composé des personnes qui parlent plusieurs dialectes. Donc, ça nous permet, quand nous rencontrons des personnes qui ne comprennent pas la langue que nous parlons, l'autre personne dans le groupe peut lui expliquer. Mais il faut dire que la plupart comprennent quand même le français. Et puis, la plupart comprennent. Et puis, ensemble, nous donnons les informations qu'il faut. Et le constat est qu'il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas. Il y en a peut-être quand ils voient l'équipe de suivi venir, ils portent leur masque. Quand vous tournez le dos, peut-être ils veulent l'enlever. Donc la sensibilisation continue et au fur et à mesure quand même, ça s'améliore un tout petit peu. Et au niveau du marché de bétail là, ça va là-bas? Oui, ça va. Il y a les dispositifs, la mairie et le comité a veillé à c'est mettre... C'est un grand marché, hein, parce que... c'est un très grand marché. Il y a quand même les dispositifs de lavage de main. Oui. Et il y a aussi des agents des tickets qui sont là pour pouvoir surveiller que ceux qui rentrent dans le marché puissent quand même se laver la main avec l'exigence du port de masque aussi. Dans les mesures, il y a quand même un suivi qui se fait pour l'observance des mesures des barrières. Voilà. Parfait. Il faut avoir le cœur net, bien sûr, par rapport à ce qui se fait à votre niveau pour, bien sûr, aider les uns les autres à mieux passer ces temps de crise sanitaire au Togo. On prend encore quelques deux ou trois questions pour clôturer cette émission du jour. Bonsoir. Merci pour l'émission. Avec la situation actuelle, est-ce qu'on pense éradiquer un jour cette maladie? Bon, voilà. Est-ce que cette maladie ne deviendra pas comme... le paludisme et nos élèves, qu'est-ce qu'on envisage pour eux? Voilà, c'est une question qui porte souvent sur
du point épidémique de la maladie à l'endémie, hein, voilà. Effectivement, cette maladie va quitter la phase de pandémie à une phase endémique parce que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. Parce qu'on va toujours obtenir des cas, mais l'ampleur dépendra de l'observance, de la rigueur que chacun mettra dans l'utilisation des mesures barrières, de la distanciation sociale et autres. Donc, on ne peut pas dire qu'un jour... tel jour ou telle date, on est sûr d'éradiquer complètement le coronavirus. C'est, le coronavirus risque d'exister comme un paludisme. Le paludisme existe, comme il l'a dit. Alors, dans le cas du paludisme, nous exigeons l'utilisation des moustiquaires. De la même manière, et pour le coronavirus, nous exigeons le port des masques, la distanciation, le lavage régulier des mains, et le fait d'éviter de tousser dans la nature ou d'éternuer dans la nature, d'utiliser des mouchoirs à usage unique ou à défaut d'éternuer ou de tousser dans le coude. Donc ce sont des mesures, des moyens de prévention avec lesquels nous devons vivre, que nous devons adopter dans notre habitude quotidienne pour pouvoir améliorer et éviter la propagation du coronavirus. Et il a aussi posé la question par rapport aux élèves. Aux élèves. Voilà. Actuellement, les établissements sont à pied d'œuvre avec leurs responsables et les enseignants pour pouvoir mettre en application les mesures barrières dans les écoles. Et chaque élève qui devra reprendre son cours portera bien sûr son masque et la distanciation devra être observée dans les établissements, dans les écoles, dans les classes. On est pratiquement dans une période de saison pluvieuse. Hein? Ça a commencé depuis un certain temps. Comment vous pensez, bien sûr, gérer et le paludisme et le coronavirus dans votre zone spécialement? Y a-t-il une disposition ou une cellule riposte, enfin, pour le paludisme qui est mis en place, ou comment vous pensez le faire? Les moyens de lutte habituels mis en place pour la lutte contre le paludisme sont toujours en évidence. Ok. Donc la sensibilisation, et quand les femmes viennent par exemple en consultation prénatale, ils reçoivent systématiquement des moustiquaires. Quand elles viennent avec les enfants aussi en vaccination, elles reçoivent systématiquement des moustiquaires donnés bien sûr par le gouvernement pour qu'ils puissent les utiliser et éviter. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la tranche d'âge de 0 à 5 ans sont plus touchés par le paludisme. Ils font le plus souvent le paludisme grave qui va jusqu'à coûter leur vie. Donc l'utilisation de moustiquaires est promue. Nous mettons l'accent sur l'utilisation de moustiquaires et surtout que dans nos zones, il y a toujours de petites stagnations d'eau. Donc, en utilisant les moustiquaires, et les parents évitent d'exposer les enfants et eux-mêmes aussi à être piqués par le moustique et donc d'avoir le paludisme. Donc, la sensibilisation se fait au niveau, nous les appelons des IEC, ça se fait au niveau des centres. Et je crois que si nous continuons comme ça l'a toujours été, ça va diminuer quand même ce risque d'avoir d'importants nombres de cas de paludisme. Parfait. On prend encore une question. Je veux savoir la situation de l'épidémie. Enfin, on l'avait dit au début de l'émission, mais comme la répétition est l'art d'enseigner. À la date du 10 juin 2020, oui, à 19h05, nous avons enregistré au total 522 cas confirmés, dont 244 actifs, et 265 guéris et 13 décès. Voilà. Avec 23 998 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu, hein, celui qui a posé la question concernant bien sûr la situation au Togo. Voilà ce que ça donne à la date bien sûr du 10 juin 2020 à 19h05. Une toute dernière question pour clôturer cette émission avec Dr Abravi Mefa Sabli. Bonsoir, docteur. Covid-19 en Afrique, mythe ou une réalité? Qu'est-ce qui indique lors du test que le patient est atteint du Covid, de Covid ou du palu? Ne confondez-vous pas lors du test le patient souffrant de palu ou de tout simple au patient de Covid-19? Atisso, Joël, depuis Balou. Merci à monsieur Atisso Joël. Covid-19, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Aucun personnel de santé n'a intérêt à venir mentir
ou bien à venir couvrir un mensonge lié à l'existence du coronavirus. Coronavirus existe bel et bien. Nos frères, nos sœurs sont atteints, il y en a qui sont guéris et malheureusement, nous avons même perdu des êtres chers liés à coronavirus. Donc, il faut qu'ils sachent que coronavirus en Afrique, ça existe bel et bien. Notre chance, c'est que nous avons pris le plus tôt possible des mesures en voyant ce qui se passait dans les pays étrangers. Donc, nous n'avons pas attendu d'avoir des cas dans nos pays avant de commencer la riposte. C'est ce qui a permis de constater que tel que ça a fait le dégât dans le monde, quand même en Afrique, nous pouvons dire que ça a fait moins de dégâts qu'en Europe et aux États-Unis. Voilà. Il demandait aussi à savoir la question... Si ne vous arrive pas de confondre peut-être les signes, hein. Je pense que c'est une question de signes, hein, de palu et de COVID-19. Voilà, et les manifestations liées au coronavirus, comme cité, il y a la toux, il y a la fièvre, il y a les maux de gorge, une sensation de fatigue intense, des maux, des courbatures, des douleurs musculaires, et des fois aussi de la difficulté à respirer. Ces symptômes se retrouvent aussi dans d'autres maladies. Alors, nous ne confondons pas le palu et coronavirus. Quelqu'un peut avoir et le palu et le coronavirus. Le palu, ça se détecte par le test de diagnostic rapide TDR ou soit par la goutte épaisse. Ce sont des analyses qui sont faites à partir du sang. Alors que le test de coronavirus, c'est un prélèvement qui se fait soit au niveau de la gorge, soit au niveau des narines. Et c'est ce prélèvement fait-là qui est analysé au laboratoire. Ce ne sont pas des prélèvements de sang, ce n'est pas à travers des prélèvements de sang que nous détectons coronavirus. Donc, une personne peut être porteuse de coronavirus, COVID-19, et être encore porteuse de paludisme ou toute autre maladie. Donc, nous ne confondons pas ces affections-là. Il faut dire quand même que c'est une équipe très dynamique, scientifique, qui s'y connaît, qui a pied d'œuvre, hein, avec le colonel Dubril, le professeur Adjor, les éminentes personnalités de la santé du Togo sont impliquées, totalement impliquées. Ouais. Donc, il faut qu'ils soient rassurés. Il n'y a pas de confusion de résultats ou bien avec des erreurs. L'exigence de l'autorité, tout, on sait que... On ne peut pas déconner, hein. Non, on peut pas déconner. On n'a pas le droit. Le docteur Aoussi, ceci, nous, le SG. Oui. Et toute l'équipe de docteur Majesté. Majesté, Iou. Voilà. Iou. C'est pas aussi facile, hein. Tous les acteurs sont impliqués et il faut qu'ils soient rassurés. Il n'y a pas de confusion entre les résultats. Parfait. C'est déjà la fin. On va prendre votre mot de la fin en 30 secondes au plus. Merci, nous remercions les téléspectateurs. Nous les invitons à observer les mesures barrières. L'allègement des restrictions ne sont pas une autorisation de mener la vie sans mesures barrières. Nous prions tout un chacun de prendre en compte les mesures barrières, où qu'il soit, pour que nous puissions éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, docteur Abravi Emefa Sablé. Je rappelle que vous êtes bien sûr médecin généraliste responsable du centre médico-social de Togo-Lekope. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous marquons bien sûr la fin de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'info.